Et salut tout le monde, c'est Dragon Fury de Dragon Team, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce let's play de Undertale, la roue du génocide. Désolé de reprendre en plein combat. La vidéo, je l'avais lancée. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui est venu me voir, je dirais pas qui. Un gros membre de ma famille est venu me voir pour parler, et comme je sais toujours pas cutter les vidéos. Du coup, j'ai recommencé carrément pour pouvoir justement reprendre. Désolé. Encore une fois, je le dirai jamais assez, mais je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Mais bien sûr, je l'expliquerai encore une fois dans la description. Du coup, je vais terminer ce combat, mais. Putain. On a laissé la porte ouverte! Bon, je reviens. Sinon, on entend la télé et après ça devient gênant. Voilà. On y va, loup. Lingos. Chut. Au revoir. Donc. C'est parti. Continue. Donc, c'est ce bouton qu'il faut appuyer. Donc, comme je dis, je le rush. Hein. Ah oui, normalement, c'est le rouge. Hein. Yes. On arrive justement à Toriel, ce qui va être génial. It's a button. Switch. Bitch. Il s'énerve. Oui! Bah, le couteau. Le toy knife. Bon, techniquement, je ne l'équipe pas. Mais étant donné que ça va être plus pratique pour se débarrasser des monstres des ruines, autant que je le prenne. Toy knife use. Utiliser. Le sneak. On va le drop parce que rien à foutre. Vous aurez remarqué que j'ai pas payé les arachnodonuts, enfin les spider donuts, parce que flemme. En plus, pourquoi utiliser du fric alors que voilà, enfin dans le sens, ben autant garder l'argent pour se payer des trucs plus tard. Bon, je suis arrivé à Toriel, mais du coup, tant que j'ai du temps de vidéo, autant faire le génocide. Sinon, les prochaines fois, comment dire? Ben, je ferai des ellipses. Enfin, pas vraiment des ellipses parce que je sais pas comment faire, mais dans le sens. Putain, faut que j'arrête avec ce mot. En gros, je jouerai en off les combats. Voilà. J'ai réussi à le dire. J'ai du mal à parler ce soir. Mon Dieu. Pendant ce temps, je m'occupe d'eux. Aïe. C'est pas grave. Oui. On va tuer, et. Zou. Lol. Alors moi perso j'ai une astuce. Bon ici à chaque fois les ruines ça a toujours été long. Mais sinon on fait ça. On se met contre un mur et on attend. Ça c'est une de mes astuces. Tactique pour avoir des monstres. Fais ça. Non, c'est dans les alentours du niveau 4-5 où techniquement c'est censé avoir le But Nobody Came. Objectif du jour, essayer d'avoir le But Nobody Came en vidéo. Ça pourrait être fun. Super. Bon, j'espère qu'on va bien entendre la vidéo. Oh, mon Dieu. Easy. C'est pas le moment de poireauter, mon gars. Parce que si tu restes là à attendre, je vais te carotter. LOL. Mon Dieu, mes blagues sont nulles. J'avoue que j'en ai pas fait dans le premier épisode, mais j'avais pas d'idée au passage. Ah ben. Ah, la batterie de mon téléphone, super. Bon, on va faire en sorte que ça tienne le coup. C'est la joie. Ah, oui. Allez! Je veux du people! Yes. Ils peuvent pas m'en donner plus, non mais les radins, quoi. C'est pas vraiment ce que j'appelle du rush, non? Ouais. J'espère que quand je. Ah, niveau 4. Attends, je vois un truc. Stats. Ok. Alors, je disais, j'espère juste que les combats genre Undyne ou Sans
ne vont pas être trop longs, parce que si je dois couper en plein milieu du combat, ça serait un peu dommage, quoi. Ça niquerait un peu le suspense. Ça niquerait l'aventure, quoi. Putain. Fuck, je veux des monstres. Yes. Ce serait plus simple si je peux les one shot perso. Hein. Ok. Bon, je prends des dégâts, mais d'un côté j'ai beaucoup de vie, donc c'est pas grave. Boum. Genre, les Migos, ils comprennent tellement pas le sens d'un combat, sans déconner. Hein. Ils sont là, bon, allez, mets-toi à l'aise, on danse, super. Ok. Sauf qu'en fait, t'es pas au courant que je suis en train de te défoncer. Je sais pas, ils sont pas un peu cons sur les bancs des fois. Genre voilà ce qui se passe, quoi, je sais pas. Tu te comportes pas comme ça avec ton ennemi, t'es pas en mode, allez, ambiance posée, tamisée, d'accord. Mais tu fais pas ça, genre, je sais pas. Parce que sinon, bah, voici ce qui se passe, tu te fais tuer, mec. Genre. Il a pas encore compris le sens de tuer ou être tué, le mec. Hein. Enfin, bref. Oh, putain, c'est long. Allez, les gens. La vidéo relou. Je dois avouer que c'est chiant les moments comme ça où t'attends. Et qu'il se passe rien! Ah putain. Allez, au moins un combat, après je vais voir au point de sauvegarde. Bah, mon là-dessus, c'est que si jamais ça prend trop de temps pour avoir un monstre, si on voit un point de sauvegarde et qu'il y a marqué Determination, en gros détermination en français, accent anglais pour ave, ben, en fait, ce qui se passe. C'est que ben du coup t'as fini, hein. Enfin t'as le button de BDK, mais en gros c'est-à-dire que t'as buté tout le monde. Bon, on va refaire toutes les ruines à l'envers, hein. On va pas se casser les pieds. Putain. Ah, je suis impatiente là, vraiment trop. Je veux du people. Comme Imagine People. Non, ça c'était nul. Putain. Ouais, bah tiens, ils sont plus là, eux. On va voir s'il y a des gens ici. Oui! Astuce du bug du mur, les gens. Oui! Ah! Panneau! Oui! Attends, je vais avoir un truc. Normalement, c'est environ quand il restera 10 XP, normalement. Enfin, voilà. XP. Donc pour vérifier, on va retourner là, mais à mon avis, il m'en manque. Hein. Il m'en manque encore. Ouais, il m'en manque encore, parce que s'il y a ce message, c'est pas bon. Non, je veux pas te parler, toi. Alors je me demande s'il me parle encore quand j'aurai le But Nobody Came. Ah merde, on approche des 8 minutes. La loose. La loose. Ah, c'est nul. Bon, bah, du coup.